Vassil, comment a démarré ce projet? Well, it started basically with an idea from Nicolas, the director of Balkan Traffic Festival, to put together Belgian and Balkan musicians in one project. And the project name was Balkan. Ce projet a été lancé suite à une idée de Nicolas, le directeur du festival. Mettre ensemble des musiciens belges des Balkans sur un même projet. Il s'appelle Balkan Jazzovic. Et comme son nom l'indique, nous jouons une sorte de jazz des Balkans. C'est une musique influencée par les rythmes, les mélodies et les sons des Balkans. Mais elle comporte aussi une bonne part d'improvisation et des sections ouvertes, comme on en trouve dans le jazz. C'est une approche traditionnelle. It's definitely not traditional. It's influenced by Balkan traditional music. It's influenced by even jazz traditional music, but I wouldn't call it traditional. It's a mixture of different genres, but where Balkan and jazz. Ce n'est pas du tout traditionnel. C'est influencé par la musique trad des Balkans et par le jazz traditionnel, mais je ne l'appellerai pas traditionnel. C'est plutôt un mix de différents genres où le jazz et les Balkans ont la plus forte influence. Il y a quelques instruments traditionnels comme le tapan, qui est un grand tambour, et quelques autres percussions propres aux Balkans. Mais je joue du piano, des claviers, Nathan joue du saxophone et du kaval, qui est une sorte de flûte originaire des Balkans. Des musiciens très différents, c'est un projet un peu risqué. Well, it's always good to meet other musicians, especially when they're really good at what they do. And Nathan is amazing, and Simone also. Alexander, the drummer, and Oliver, the bass player, are from Macedonia, so I played with them many times. We had the fortune to have two amazing. C'est toujours bien de rencontrer d'autres musiciens, surtout lorsqu'ils sont bons. Nathan et Simon sont exceptionnels, comme Alexandre le batteur et Olivier le contrebassiste qui vient de Macédoine, avec qui j'ai beaucoup joué. Nous avons eu la chance d'avoir trois invités spéciaux. Ibrahim Malouf, une star de la trompette, Alia Igala, une très jeune chanteuse belge, et Théodosie Spassov, une légende du caval, qui sera d'ailleurs sur scène à Bruxelles. Alors, on peut dire que oui, c'est risqué de jouer avec des gens avec qui vous n'avez jamais joué, avoir quelques répétitions et jouer ensuite en concert. Mais lorsque vous avez des musiciens avec un tel talent, le risque est presque exclu. Ce n'est que du plaisir.
et donc réinterpréter la musique trad. If you think about it, every music genre has strong roots. It's tough. It's not easy because sometimes things sound best that way. You know, when you hear a great Balkan traditional band, you go like, why would I even change this? You know, why would I even mess with it? And I had my doubts. With my band and with my original material. Si l'on y réfléchit, chaque genre musical a de profondes racines. Et c'est dur, ce n'est pas facile parce que les choses sonnent bien comme elles sont. Quand tu entends de superbes groupes traditionnels balkans, tu te dis « Waouh, pourquoi je changerais ça ?» Avec mon groupe et mes compositions, je n'ai presque jamais repris une mélodie traditionnelle que j'aurais arrangée. Parce que je sais comment elle sonne, et elle sonne pour le mieux. Et tout ce que je pourrais faire, c'est la ruiner. Mais si tu es assez soigneux, assez avisé, tu peux le faire. Tu peux prendre de petits bouts, les retravailler et en faire quelque chose de nouveau et d'intéressant. Le jazz, c'est aussi l'improvisation. Comment ça se passe entre vous? We live improvisation every day. And you know, when other musicians or people think about, you know, how do they do that on the spot, you know? But you do that every day. You know, you don't prepare every conversation you have and every step you take, you know, you have to do it on the spot in that moment and you manage somehow, right? So it's actually very natural, but what Nathan mentioned is that you need vocabulary, you need some kind of skill, you know. Chaque jour, on vit dans l'improvisation. Quand d'autres musiciens ou d'autres gens se demandent comment font-ils cela à chaud, mais on fait ça chaque jour. Tu ne prépares pas chaque conversation, tu parles spontanément et tu gères sur le moment. C'est donc une démarche naturelle, mais tu as besoin de vocabulaire, de quelques compétences et d'un peu de pratique. Tu as donc des outils à ta disposition, tu choisis librement ce que tu veux à l'instant présent, car c'est le plus approprié. C'est pareil pour l'impro. Tu peux aiguiser ta capacité à avoir les bons réflexes et la capacité d'écouter ce qui se passe autour de toi. C'est la chose la plus importante. Ensuite, réagir. Et c'est sans doute encore plus important. C'est ton propre choix de réagir d'une certaine manière, ou pas, ou à moitié. You can see the difference between amazing musicians and not so amazing musicians because the choice they make at the spot, you know, and these guys are really amazing, not because I'm playing with them now and trying to promote the project, but because the things are happening on the spot and the reactions are always magnificent. Because we don't want them to be the same, you know, we don't want them to be, oh, this is the best way. Et c'est là que tu peux faire la différence entre des musiciens intéressants et d'autres moins intéressants, par les choix qu'ils font dans l'instant présent. Et les musiciens ici sont vraiment intéressants. Pas parce que je joue avec eux ni que je fais la promo du projet, mais leurs réactions sont simplement magnifiques. On ne veut pas qu'ils fassent toujours la même chose, du genre « c'est la meilleure manière de faire ceci ou cela et on recommence pareil à chaque fois ». Non, à chaque fois, on veut des réactions différentes. C'est la relation qu'on a avec le jazz. Si tu joues le même truc tous les soirs, ça peut être le truc le plus génial, mais c'est faux. Ce n'est pas la bonne manière de faire chaque soir, tu dois apporter du neuf. C'est ce que ces musiciens ont d'extraordinaire. Ils connaissent la musique des Balkans, ils connaissent le jazz et ils ont la capacité de sauter de la falaise et de retomber sur leurs pieds.
I mean, Balkan Traffic is a great festival, and every festival that actually brings other musicians from different countries together is amazing. And this project is amazing because we're... Balkan Traffic est un superbe festival, et tous les festivals qui rassemblent des musiciens de différents pays sont intéressants. Ce projet est aussi intéressant car il montre que c'est un must de mélanger, de collaborer, de partager. Balkan Jazzovich, and we're going to be performing on the 29th of April in Brussels in Balkan Traffic Festival. See you there.